Bon, là, on va nettoyer le puits à l'intérieur. Pour ça, on va mettre un peu de liquide de frein qu'on va éjecter. Voilà, à l'intérieur. On utilise une brosse qu'on va insérer dans le puits. Ça va permettre à l'injecteur de pénétrer correctement et d'enlever la trace qui reste à l'intérieur. Alors on nettoie bien. Ensuite, on va utiliser un aspirateur. Là, j'ai mis un tuyau pour faire insérer l'intérieur. Permettre la trace qui reste pendant le nettoyage. Voilà. Pour qu'il ne reste rien dessus. Voilà. Là, on va pouvoir remettre l'injecteur à sa place. Le petit joint par huile, on pousse bien correctement pour faire bien rentrer dans les lèvres. Voilà. On aura juste à rebrancher et tout remettre à sa place.